d'où proviennent les propriétés des plantes. De tout temps, les hommes ont utilisé les plantes pour leurs bienfaits sur la santé. Aujourd'hui, l'action médicale de nombreuses plantes est reconnue scientifiquement. Les plantes sont constituées de milliers de molécules connues ou inconnues, dont certaines ont des vertus sur la santé. Ces molécules sont appelées principes actifs. Les principes actifs peuvent agir seuls ou en synergie pour un effet spécifique. Les principes actifs sont entre autres les alcaloïdes, les composés phénoliques et parmi eux, les tanins et les flavonoïdes dont font partie les pigments végétaux antioxydants. Les phytostérols, dont la structure proche du cholestérol, ont une action anti-cholestérol. Suivant l'espèce, le lieu de culture ou la nature du terrain, la plante sera plus ou moins riche en principes actifs. On peut utiliser la plante sous différentes formes. En cuisine, en infusion ou décoction, sous forme fraîche ou sèche, entière ou broyée pour une petite concentration d'actifs. En revanche, les extraits sont riches d'une grande quantité d'actifs. Ils sont utilisés dans les compléments alimentaires, sous forme d'essence ou huile essentielle. Le mode d'extraction est choisi en fonction des principes actifs à collecter. Ces formes sont très concentrées et nécessitent le conseil d'un professionnel de santé. Les propriétés des plantes proviennent donc de leurs principes actifs.